on regarde le chemin que nous avons parcouru depuis l'entrée en vigueur de ce programme, qui, je rappelle, c'est un programme consistant et ambitieux et parfaitement ancré aux orientations stratégiques du pays. Ce que nous avons parcouru, ce qui nous reste à parcourir, je pourrais dire que c'est un bilan satisfaisant, et nous nous projetons de manière très positive vers la fin du compact, parce qu'il y a une obligation d'achever ces projets dans un délai de 5 ans. Quand je dis c'est un bilan satisfaisant, parce que le cycle des projets, c'est d'abord, il faut concevoir dans une démarche participative, dans une démarche de concertation, avec des approches innovantes en termes de projets qui doivent être rentables économiquement, mais aussi dans le respect d'un certain nombre de normes environnementales, sociales, de passation des marchés. Donc tout cela fait que la période ou la durée de la conception, du design, prend du temps. Mais il prend du temps pour bien faire dans le cadre de la mise en œuvre, avec un système de suivi et évaluation très rigoureux. Donc aujourd'hui, on est à mi-mandat, on est à la moitié de la période du compact, qui est de 5 ans. On passe pratiquement dans tous les projets, de la phase de la conception à la phase de mise en œuvre sur le terrain. C'est le cas du projet éducation secondaire, on travaille dans les établissements aujourd'hui. C'est le cas du foncier industriel, on travaille sur les sites. C'est le cas de la formation professionnelle, on est en train d'élaborer à la fois le contenu des formations, mais aussi la conception des centres, des travaux qu'on va réaliser. C'est le cas aussi du foncier rural, où l'opération de mitigation se déroule déjà sur le terrain. Donc je dirais que c'est positif et tout se passe aujourd'hui sur le terrain. Le plus difficile est derrière nous, mais des défis bien entendu restent posés en termes d'accélération de la mise en œuvre, d'accélérer la cadence pour être au rendez-vous vers la fin du compact en juin 2022. Vous faites bien de citer ce projet en particulier. C'est un projet qui à la fois puise sa solidité et sa force des orientations stratégiques, des orientations de Sa Majesté le Roi, qu'il avait données lors des assises nationales sur la politique foncière de l'État. Sa Majesté avait appelé le gouvernement à accélérer ce chantier et surtout à le mener gracieusement au profit des ayants droit. Et ce sont ces orientations-là qui aujourd'hui font la force de ce projet, parce qu'il y a une mobilisation très forte de la part des parties prenantes, que ce soit le ministère de l'Intérieur, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit les offices régionaux de mise en valeur agricole, dans le RARB et dans le HAUS, l'agence de la conservation foncière. Tous ces acteurs travaillent en commun pour réussir ce chantier. Et aujourd'hui, au début du compact, l'opération qui était envisagée, c'était 2046 000 hectares au profit des ayants droit. Dans la région du RARP, le gouvernement a souhaité étendre cette opération et mener cette expérience pilote dans deux régions au lieu d'une seule. Donc aujourd'hui, c'est à la fois la région du RARP et la région du HAUS, à Qalat Salarna, qui vont bénéficier de cette opération pilote sur un périmètre total de 66 000 hectares. Ceci en termes au niveau opérationnel. Maintenant, au niveau social, c'est une opération qui touche bien entendu une catégorie sociale importante d'agriculteurs qui vont se voir approprier ces terrains, qui vont pouvoir investir, valoriser. Et pour cela, le gouvernement a confié également à l'agence non simplement de soutenir l'opération de mitigation, mais de mener un certain nombre de mesures d'accompagnement au profit des ayants droit, qui sont autour de 35 000 ayants droit, et cela veut dire 104 000 bénéficiaires directs de cette opération. Ces opérations d'accompagnement consistent à la fois en la formation, en l'accompagnement pour bénéficier de financement, notamment auprès du groupe du Crédit Agricole, de l'opération d'accompagnement social et de conseil à travers l'Office national du conseil agricole. Donc tout cela, et avec aussi un certain nombre d'activités génératrices de revenus, pour faire de l'opération de mitigation un chantier intégré de développement économique et social et un véritable levier de ce développement économique et social. À première vue, tous les dossiers sont complexes. Mais bien entendu, il y a des dossiers plus complexes que d'autres. Mais la complexité, parce que ce sont tous des dossiers importants, ce sont tous des dossiers sur lesquels
on n'a pas beaucoup d'expérience antérieure pour dire que, par exemple, le chantier de mélkisation, avec cette ampleur, c'est la première expérience pilote. Le chantier de l'éducation secondaire, avec un projet d'établissement et travailler dans les établissements, avec cette envergure et avec cette approche, c'est aussi une expérience où il n'y a pas de précédent. La formation professionnelle, avec des orientations claires d'associer le secteur privé, c'est aussi quelque chose de nouveau, parce qu'on le fait sur toute la chaîne de valeur de la formation. La complexité d'un projet réside à la fois dans le nombre de parties prenantes. Quand un projet implique plusieurs parties prenantes, ça veut dire que l'effort de coordination, l'effort de synergie, l'effort d'arbitrage est plus important. Les réformes, naturellement, sont plus difficiles que les projets physiques. Les réformes, parce qu'il y a un enjeu politique, il y a des acteurs à mobiliser au-delà des capacités de l'agence, parce qu'il faut mobiliser le gouvernement, mais par la suite, plusieurs mesures, plusieurs réformes passent à travers le Parlement. Et donc, les réformes sont naturellement plus difficiles. Les projets comme, par exemple, le système d'information lié au marché du travail qui implique plusieurs parties prenantes avec des enjeux qui ne sont pas souvent les mêmes. Et naturellement, c'est quelque chose de difficile à mener. Nous essayons de le faire en concertation parfaite avec le gouvernement, avec les différentes parties prenantes, dans la collaboration, dans la concertation, dans la pédagogie.